Bonjour à tous, et bien vidéo fonderie aujourd'hui. Alors on va essayer de faire la cloche que je vous avais présentée il y a quelques temps. La cloche que j'avais préparée en 3D, qui va me servir de matrice. Alors donc bon, j'ai préparé mes cadres. Bon, ce sera assez lourd, hein, que j'ai préparé. Alors donc j'ai fait du sable huilé, sable gras. J'espère que ça va marcher, hein. J'ai fait un essai il y a quelques jours. Et ça n'avait pas marché, mon sable n'était pas assez consistant. Donc je vais me servir aussi d'un reste de sable rouge que j'avais pour faire les endroits un peu plus fragiles, un peu plus critiques. Et bon, je vais voir ce que ça va donner. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, alors donc cette partie-là est faite. Maintenant, je vais mettre l'autre cadre dessus et je vais remplir. Là, j'ai mis, comme il me restait du sable rouge, j'ai mis pour faire le fond, pour que ce soit assez résistant, un peu, comme il est un peu plus résistant que le sable vert, que le sable que j'ai fabriqué moi-même. Donc, ça me permet d'avoir une bonne assise, quoi. Alors, je vais voir ce que ça va donner. C'est pas garanti. Là, je mets l'autre partie dessus, je remplis et je vous remonte ça. Allez, un petit peu de tac, un petit peu même beaucoup, si on ne voit pas que ça colle. Voilà, après démoulage, ça donne ça. Bon, j'ai bien fait de mettre mon sable rouge pour faire l'intérieur, malgré que j'ai un petit défaut là. Je vais essayer de réparer ça. Ça n'a pas été évident, je vais essayer quand même. Là, je vais démouler cette partie-là. Je vais tapoter pour faire voir ça. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, on voit le sable vert qui est un peu plus, qui s'effrite un peu plus là. Ah, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Alors, ma coulée, je pense que je vais la faire passer. Bon, tout à l'heure, j'ai mis. Je vois où est-ce que je vais la faire passer par là. La coulée là, et on va voir ce que là. On va voir ce que ça va faire. Je vais faire mon trou ici et un autre ici pour l'évaporation, pour la cheminée. Ouais, on va voir ça. Allez, je répare ça et je reprends tout à l'heure. Alors, là j'ai essayé d'imprimer un alpha, un petit alpha. Voilà, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas grave. Juste pour faire des essais, de toute façon, cette cloche-là, ce sera une cloche d'essai et un oméga et le sable rouge, c'est vraiment nickel quoi en fait, hein. Voilà, un peu plus que je fasse des, voilà, là c'est un essai, de toute façon ce sera en aluminium cette cloche là. Tant que j'ai pas mon sable rouge, un sable convenable, je vais pas me risquer à faire en bronze. Alors donc là, c'est vraiment un coup d'essai. On va voir ce que ça va donner. Non, je pense pas que c'est marché, on verra au démoulage tout à l'heure. Je pense pas que c'est parce que c'est pas remonté, alors donc je suis obligé d'en mettre de ce côté-là. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Pas la surprise, mais bon, je pense que le résultat va pas y être.
Mais bon, c'est pas grave, c'est un essai. Attention. Ah, peut-être quand même. On va voir. C'est monté jusqu'en haut. Non, je suis pas sûr. Ça doit refroidir. Ah ouais. Ça n'a pas pris tout. C'est bien ce qui me semblait. C'est marrant. Bon, l'idée était là, quoi. L'idée était là. Bon, je la vide. Ouais. Ça s'est pas rempli partout. Sur du sable là. Ouais, ça s'est pas rempli partout. Allez, je nettoie, je vous fais voir. Ben voilà. Bon, ben, le résultat est aux trois quarts. Hein. C'est pas une réussite, mais bon, je m'y attendais un peu. Hein, de toute façon, avec le sable vert, ça n'a pas pris partout. Mais bon, c'est marrant. C'est marrant. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir avec ce sable-là. De toute façon, c'est pas un bon sable pour ça. Alors donc, ouais, parce que bon, ça s'est effondré là. Ça s'est effondré. Autrement, c'était. Hein, l'idée était là. L'idée était là. Voilà. C'est presque ça. Alors, que je bosse encore un peu dessus, je vais apprendre de. J'ai appris de mes erreurs. Et la prochaine fois, ce sera parfait. La prochaine fois, elle sera en bronze. De toute façon, c'est clair. Quand j'aurai reçu mon sable. Allez, sur ce, je vous dis à tous de bonnes sorties et à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!